Bonjour à tous, Sandrine Brousse. Je vous présente ce pastel, le loup contemplatif. Le loup est un animal doté d'une grande force intérieure, à la fois amoureux de sa meute, grégaire et solitaire. Il a un message profond à transmettre à l'homme en ce moment même. Comme vous le constatez sur ce pastel, il admire la lenteur de l'escargot qui lui fait face. Il est contemplatif, ce loup. Il ressent une forme de gratitude pour cet escargot magique qui transporte sa maison sur son dos, une maison longuement construite dans la solitude et le silence. Le pastel dégage de hautes fréquences vibratoires, offrant à chacun de rentrer dans cette forme d'extase, d'émerveillement pour cette planète Terre. La contemplation de ce loup nous propose d'entrer en nous-mêmes dans cet état méditatif, admirant la beauté de ce monde et nous délestant de ce qu'il peut présenter de lourdeur dans la période que nous traversons. Les tons bleutés du pastel se réfèrent à la quête intérieure, la quête spirituelle, les flammes violettes à la purification de nos mémoires blessées, de toute notre histoire. Il s'agit de descendre dans les méandres de nos inconscients chaotiques pour nous libérer des chaînes qui nous limitent, nous jugulent, nous enferment dans des croyances délétères et drainent notre énergie vitale. Le loup, dans son immobilité, nous offre de retrouver cette sagesse ancestrale qui nous relie à la terre, au peuple animal et à notre intuition profonde. Retrouver dans nos cœurs cette force intérieure, cette autonomie, cette créativité. La nouvelle lune nous propose un nouveau départ, de nous édifier sur une énergie nouvelle, de recalibrer et reparamétrer notre être sur les plus purs désirs de notre âme, de diriger le navire de nos vies vers des oasis de lumière et d'amour. Je vais dézoomer un petit peu pour que vous ayez le tableau dans sa complétude. Voilà, du coup on voit bien la nouvelle lune. Ce pastel conçu dans la méditation dégage des fréquences vibratoires d'une grande douceur et en même temps, ces ondes protectrices permettent à chacun de retrouver son identité divine, sereine et rayonnante. Celui ou celle qui se le procurera pourra le placer dans son espace de méditation, de son habitation. Les radiations du tableau diffuseront paix et harmonie partout autour de lui. La magie, c'est que le loup devient vivant lorsque nous le contemplons, au point que nous entrons en contact avec son esprit bienveillant qui nous instruit. Si vous souhaitez mieux découvrir ce pastel et découvrir les autres pastels, eh bien je vous invite à surfer sur mon blog dont l'adresse se situe sous cette vidéo. À tout bientôt. Ciao, ciao.